Ah, ça y est, tu as le 8 de Harry Potter, oui. Toi, hein? Bah oui, je sais que t'aimes bien. Qu'est-ce que c'est rudement bien écrit, faut reconnaître, hein, oui. Parce que les énigmes, on est accrochés, quoi, comme des gamins, hein, c'est super. Moi, j'ai un ami, c'est en anglais, donc il l'a déjà lu en anglais. Et alors, il me racontait, c'est passionnant, tu verras, à la fin, il y a un bonus. C'est le 8? Oui. C'est apparemment à la fin, il y a un twist. Et c'est, il me disait, c'est super, parce que c'est surprenant. Évidemment. T'as pas tout le monde. La blogueuse Betty Autier a déclaré, la célébrité, c'est vraiment bon. Eh ben c'est bien, on lui souhaite d'y goûter. Elle est connue en plus. Mais je sais qu'elle est connue. En plus, je suis méchante parce que moi j'y vais sur son... son blog. Son... Oui, oui. Ah, tu vas? Non. Bon, écoute, fous-moi la paix, ne me juge pas. Perfect Illusion de Lady Gaga. Enfin, ah, il ment sur Shazam. Il ment. C'est une chanson de Fabienne Cantin, tu te souviens? Et les magnettes. Et les magnettes. Oh là là. Elle était moderne. Ah, moi, je m'identifiais énormément. Elle était belle, sa chanson. C'était autre chose. Ah, c'était autre chose. Attends, oui.